Hey, bien sûr, c'est Tatak, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du GTRP. Donc écoutez, je suis sur un serveur, mais c'est le serveur Révolution, donc c'est un serveur free access. Donc si vous voulez rejoindre, vous pouvez. Et donc je viens tout, j'ai juste créé mon personnage. Et puis bah va falloir que j'aille à l'auto-école. Alors je vais peut-être voler une petite moto pour y aller parce que c'est un petit peu loin. Ok, si je peux, ok, c'était juste bugué. Bon écoutez, je suis un peu, attendez, normalement je peux attacher ma ceinture. Non bah non, je suis sur une moto. Écoutez, on verra ça plus tard, pour l'instant moi je vais direct aller. En vrai je sais pas si je vais à l'auto-école ou quoi. Si en vrai j'aimerais bien avoir mon permis quand même. Wouah, examen du code, 300$. Bienvenue. Oh putain, faut que je fasse le code. L'examen de code coûte 200$. Cela n'est pas remboursé si vous échouez. 5 minutes later. Ok les gens, donc ça y est, j'ai fini l'examen. Et puis bah apparemment j'ai fini le code. Et puis bah apparemment bah j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi le test. Youpi les gens, j'ai réussi le test du premier coup. Donc je vais pouvoir passer l'examen. 1 eternity later. Ok re les gens, donc ça y est, j'ai réussi le test de conduite. Donc j'ai maintenant mon permis de conduire. Donc écoutez, maintenant je vais essayer d'aller à la supérette pour acheter de l'eau, ça serait cool. Et donc oui les gens, j'ai oublié de vous le dire, mais je m'appelle Gérard Landuba. Donc j'avais envie de m'appeler comme ça, Gérard et Landuba, pour Neville Landuba dans Harry Potter. Donc écoutez, c'est le seul truc qui m'est venu. Et puis bah c'est cool. Et puis bah maintenant regardez, j'ai mon permis de conduire. Pourquoi les gens ils viennent là pour pas faire, pour ne pas faire du RP? Wow. Oh merde. Ah bah il y a plus de monsieur. Hop, tac, chantier. Hop, très bien, je vous ai donné les coordonnées. Bah, maintenant, faut que j'aille au chantier, les gars. Donc, bah, go. Bon, écoutez, les gens, je fais ça. Et puis, bah, du coup, je vous dis à tout de suite. Oh, merde, non. Wow. Désolé. A few moments later. Ok, les gens, alors, vous voyez le problème, là. Je suis mort comme un con, les gens. Du coup, bah, j'ai la flemme d'envoyer un signe de 13. Du coup, bah, je vais attendre 10 minutes. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite. Je te fais un point et tu le suis, le point, d'accord? Et tu vas dans le coin. Oui, pourquoi tu veux que j'aille à la fourrière? Pour mon véhicule. Bah vas-y. Toi? Mais j'ai pas de, j'ai pas de véhicule. En plus, c'est loin. Non, mais la voiture qui est derrière, là, la voiture qui est là, elle est verrouillée. Non, non, prends-la, elle est pas à moi. Mais tu vois, tu fais un panne. Mais t'inquiète, chut. Regarde, tu vois. Les gens, j'allais lui donner une voiture volée. Vous avez vu? Bon, bref, moi je vais retourner pour mon chantier pour m'acheter ma voiture à moi. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Oui, excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Est-ce que je pourrais vous parler? Si vous voulez. Non, c'est calme. Attends, on va rendre ça bug, les gens, j'entends pas bien. Est-ce que tu as une voiture pas chère avec un coffre? Vraiment, il me faut un coffre. Ah non, justement, moi je suis là pour en acheter une. Et tu as vraiment aucune voiture là? Ah, j'ai rien du tout, moi je suis arrivé en ville il y a quelques heures. Dommage. Je suis désolé. Hein. T'inquiète. Ouais, mais attends, mais les gens! Ah non, ça c'est pour sortir et pour ranger. J'ai cru, ah dommage, je croyais que c'était là. Oh, j'ai cru que j'étais le boss. Mais non, bon bah je vais ressortir. Putain, le mec il voulait que j'y vende une voiture, sauf que moi j'en ai pas. Bonjour. Bonjour. Bah tu veux que je te dépose quelque part? Ah non, t'inquiète, je vais y aller à pied. Non, mais viens, t'inquiète, je t'emmène. Ah, je sais même pas où aller, faudrait que j'aille à une supérette, m'acheter un petit téléphone. Bah viens, vas-y, je t'emmène. Ouais, merci. Tu fais comment? Tu te traverses à pied, toi? Ouais, je traverse à pied, j'ai pris un vélo. Ah ouais, c'est... Ouais. Jusqu'à que je trouve la voiture, c'était comme ça, c'est horrible. Ouais, après... Bon, il y avait une voiture qui était abandonnée sur le côté de la route, donc... Bah j'ai attendu à côté hein, et puis bah je vois avec personne qui revenait, du coup bah, je me suis dit on va y aller clé sur le volant. Tiens, c'est là. Tiens. Bah merci. De rien. Bah au pire je te ramène si tu veux au concession. Oh t'inquiète, je me débrouille et merci. Ok, bah salut. Salut. Ok les gens, donc il a été très gentil. Alors on va s'acheter un petit téléphone parce que là on en a vraiment besoin. Voilà, hop, on a un petit téléphone, c'est tout ce que je voulais. Au revoir à Pouf. Déposé 2275. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous ramène? Bon allez, vous insistez tellement. Non mais je sais pas. Allez, venez. Pouf les gens, on a réussi à se faire ramener. Y'a avec des Punto. Wow. Le gang des Punto, vous allez arrêter un peu. Oh attendez, est-ce que je peux rentrer dans le concession en voiture? Quoi, il y a une voiture dans le concession? Ah, je sais pas du tout. Et on m'a poussé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous avez une très belle voiture.
Ah merci, vous avez vu, c'est pour aérer que j'enlève les portes. Ah ouais, comme ça, ça fait un peu genre une Twizy sans porte. Ouais, voilà. J'avais trop chaud, la clim, elle fonctionnait plus en plus. Bah, on a... moi, j'ai pas les moyens, personnellement. T'as pas les moyens de t'acheter une Twizy sans porte? Non. Tendu, hein. Si tu veux, je te la paye. Attends, par contre, j'ai plus que 2000 euros. Comment? 4000. Ah non, j'ai même pas les moyens de payer 4000. Mais si tu veux, je te la paye. Bah, si ça te dérange pas. Bah, s'il y a un concess. Dis-toi que j'ai 147 et en banque, je suis à moins 4541. Ah ouais, je sais pas comme ça. Bonjour, ce concessionnaire, ça va? Oh, c'est vous, ça monsieur va, le concessionnaire. Vous voulez quoi? Comme je viens d'arriver en ville, je suis pas très riche, j'aime bien la Warrener à 8000$. Ok, Jean, donc faut que j'aille au serrurier parce que bah, c'est la mienne. Hein. C'est bon, j'ai ma clé, les gens. Bon, bah écoutez, du coup, normalement, si je fais ça, c'est bon, le véhicule est fermé. Bon, bah écoutez, les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, en tout cas, les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Lutataï. À plus.